So now we are live on our social media, and I'm starting with the session. All the best. Thank you. Dr. Robert, we Yes. are live now and we will start our session. Yes, it's okay for me. When you want to begin, no problem. Okay, c'est bon. C'est bon? Alors d'abord, bonsoir à tous. Je suis Dr. Sarah Mustafa. Je travaille actuellement à Beyrouth, Liban. J'ai eu mon diplôme de l'Université Saint-Joseph de Beyrouth en 2020. Avant de démarrer, je vais tout d'abord présenter le docteur Robert Fromental, docteur en chirurgie dentaire. Il travaille en privé à Lyon, en France. Docteur Fromental exerce son métier depuis 1973, d'abord comme dentiste et puis comme spécialiste en paro-implantologie prothèse. Il a eu son diplôme de l'UER d'odontologie en Lyon en 1973. Il a été major de promotion, prix de James Cantero, diplômé de Institute for Advanced Dental Studies, Boston, US, en 1985, professeur attaché à l'université de l'IASI en Roumanie. Il a une double expérience en implantologie comme clinicien et responsable de recherche pour différentes sociétés industrielles françaises et internationales. Concepteur et développeur de systèmes implantaires français, conférencier international et président de la Société de formation Espace 14, Collège d'études et de recherche en implantologie dentaire. Dear participants, if you have any questions, you can type them in the question and answers box and we will answer them at the end of the session. Dr. Robert, nous sommes heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et maintenant, je vous laisse la parole, docteur. Très bien. Merci, Dr. Mustafa. C'est un plaisir de participer à cette manifestation pour la promotion, en somme, d'un concept de formation sur l'implantologie de base. L'implantologie de base, ça ne veut pas dire une petite implantologie, ça veut dire simplement que des praticiens qui sont motivés, et aujourd'hui, on doit être motivé en tant que praticien pour augmenter la qualité des soins, répondre à la demande de nos patients, et cette motivation fait que pour démarrer dans l'implantologie, on ne peut pas démarrer l'implantologie sans passer par des étapes. Et c'est un petit peu le programme que j'ai essayé de construire justement par le biais de modules. On verra le descriptif de ces modules dans le cadre de la présentation, mais surtout essayer de vous faire transmettre mon activité clinique, c'est-à-dire mon ressenti clinique sur l'implantologie et surtout l'expérience. Je pense qu'il n'y a pas mieux pour apprendre que de regarder des gens qui ont déjà progressé dans ce domaine et qui sont capables de faire de la formation et donner des éléments. Donc, s'intéresser à l'implantologie, c'est quelque chose qui est fondamental. La demande de nos patients est là et il faut essayer de répondre à cette demande. Donc, chers confrères qui êtes présents ce soir, je ne vous vois pas, mais je sais que vous m'écoutez. C'est un honneur pour moi de pouvoir, pendant cette durée de présentation, participer avec vous sur l'élaboration, sur ce qui a été conçu dans le cadre de cette formation. Donc, on va démarrer ce webinaire de présentation de l'implantologie de base, c'est-à-dire l'implantologie qu'il faut connaître, quelles sont les théories, les fondamentaux pour pouvoir commencer à pratiquer cette implantologie. Lorsqu'on veut démarrer cette implantologie, on va se donner des objectifs. Quels sont nos objectifs? On s'est donné l'objectif de faire 6 modules. Bien évidemment, ces modules de 2 heures ne sont pas suffisants pour appréhender totalement l'implantologie et faire en sorte que vous allez demain être lâché dans vos cabinets pour pouvoir travailler, bien évidemment. Mais ce que l'on veut faire, c'est essayer de développer des éléments indispensables pour bien comprendre cette discipline et pouvoir l'aborder surtout d'une manière très sereine. Manière sereine pour aborder d'abord les cas simples, qu'ils soient unitaires ou partiels, de faible étendue. Il est bien entendu que
tout ce qui concerne l'étrangement global, maxillaire ou mandibulaire, reste une approche complexe et que les praticiens ne pourront aborder qu'après avoir approfondi totalement leurs connaissances théoriques et leurs connaissances cliniques. Quels sont ces modules que nous avons préparés? Nous en avons préparé 6 d'une durée de 2 heures, dont le premier sera basé sur la mise au point sur l'implantologie moderne. J'ai pensé qu'il serait nécessaire, pour une bonne compréhension de ce niveau de travail, c'est d'avoir d'abord une idée de ce qu'est l'implantologie moderne, qu'est-ce qu'on entend par implantologie moderne. Donc ça, on le verra détaillé un petit peu tout à l'heure. On va parler de l'environnement de l'implant, ça sera l'objet du deuxième module, parce que l'environnement de l'implant est fondamental à l'équilibre de l'ensemble implant-prothèse au sein d'un environnement buccal. Et il va falloir connaître cet environnement, on va le détailler. Ensuite, le module 3 va s'axer sur le rationnel implantaire. Qu'est-ce qu'il faut connaître? Quels sont les fondamentaux à appréhender pour pouvoir commencer l'implantologie d'une manière tout à fait sereine? Le module 4 va être très intéressant et je pense que c'est celui qui vous passionnera le plus. C'est celui qui va s'adresser à l'approche de la chirurgie implantaire. Chirurgie avec tous ces paramètres qui sont inhérents à l'exercice de ce métier d'implantologiste, c'est-à-dire les paramètres qui vont concerner d'abord le cabinet, l'étude des cas, le patient, la communication, tout un tas de facteurs qu'on verra et qui nous permettront d'aborder des cas simples, mais il n'y aura pas que des cas simples. Je vous montrerai quand même des cas qui vont essayer de vous faire sentir l'implantologie. Vous allez pouvoir approcher ce domaine avec des compétences de différents niveaux et nous, on restera plus axé dans ces modules-là sur une approche plus basique pour vous permettre de sauter le pas. Et une fois que vous sauterez le pas, bien sûr, il y a des updates qui peuvent être faites de manière tout à fait rationnelle aussi. Donc, l'approche chirurgicale de l'implantologie, nous le verrons sous forme de 2 modules parce que c'est un sujet très, très vaste et il faut que vous le voyez en long, en large et en travers. Le 5e module va s'axer sur la prothèse implantaire. Là aussi, c'est très important. Comment peut-on envisager la mise en place d'implants dentaires sans connaître la prothèse? Il y a des fondamentaux à acquérir et ces fondamentaux, on le verra ensemble, depuis l'approche du premier stade de la prothèse qui est le deuxième temps chirurgical, c'est-à-dire la mise en fonction de l'implant, jusqu'au stade final où nous allons réaliser la prothèse définitive en passant bien sûr par toute la conception des prothèses transitoires qui est fondamentale. Alors, moins peut-être dans l'implantologie unitaire, mais ça a sa place dans l'implantologie esthétique, bien évidemment, et un peu plus importante, bien sûr, dès que les cas sont complets, c'est-à-dire plus complexes, 3, 4, 5, voire 6 ou 8 implants ou 10 implants. Donc là, on n'abordera que des cas, je vous ai dit, plutôt unitaires et des cas partiels, mais je vous montrerai quand même l'approche de l'implantologie dite un petit peu plus lourde. Donc cette prothèse implantaire, on la verra au travers d'un module spécifique. Le 6e module, ça sera une synthèse, et là, ça sera intéressant parce qu'on va essayer, au travers de ce dernier module, essayer de faire une compréhension globale de ce qui a été vu, voir quels sont les points forts, quels sont les points faibles. Voilà présenté d'une manière tout à fait succincte les 6 modules, et maintenant, ce que je vais faire, c'est vous reprendre chaque module pour essayer de vous montrer quels sont les contenus de ces différents modules. Quand on va parler de la mise au point sur l'implantologie moderne, il faut penser que l'implantologie, elle a évolué d'une manière très importante. J'ai la chance, le bonheur, l'honneur d'avoir démarré l'implantologie il y a très très longtemps maintenant et j'ai suivi l'évolution. Quand j'ai commencé mes premières phases d'implantologie, il n'y avait rien. J'ai fait une formation à Boston sur le système Brandmark et il n'y avait absolument aucun cours en France, il n'y avait rien. Donc, je peux dire que je fais en quelque sorte partie un peu des pionniers de l'implantologie en France puisqu'on n'avait pas de cours et il a fallu se construire notre monde. Et construire ce monde, ça m'a permis également, moi, en tant que concepteur de système d'implant, de bien comprendre les choses, de les synthétiser et essayer ensuite de mettre au point des systèmes implantaires qui pourraient répondre un petit peu à toutes les attentes des implantologistes. Ensuite, on verra les concepts implantaires. Les concepts implantaires, ce sont des concepts tissu level, c'est concept platform switching, donc on en parlera.
On verra les implants et leurs caractéristiques en fonction des concepts évoqués, c'est-à-dire soit ça soit du tissu level, soit du platform switching. On parlera d'une manière détaillée des designs implantaires, et ça, c'est fondamental pour bien comprendre quel type d'implant on va utiliser. On parlera de la notion d'état de surface, qui est également très importante, car c'est elle qui va conditionner la réussite, c'est-à-dire le phénomène d'ostéo-intégration. Et on verra que les designs implantaires sont variés et surtout, ils vont dans un sens aujourd'hui, c'est d'essayer d'avoir une mouillabilité qui soit la plus performante car elle va optimiser l'intégration et raccourcir le temps d'intégration. Et ensuite, on verra en détail toutes les connectiques implantaires. Pour parler de la prothèse, de tous ces implants, j'ai choisi de prendre le concept que j'utilise actuellement, le concept de biotech dentale, qui est un système excessivement performant et qui répond aujourd'hui à pratiquement toutes les conditions que peuvent attendre un implantologiste. Donc, ce système-là, vous le verrez fonctionner, mais en sachant que la formation que je vais vous donner, c'est une formation qui sera un peu généraliste, mais qui vous permettra à vous de choisir le système qui vous semblera le plus performant pour vous et sur lequel vous vous sentirez le plus à l'aise. Donc, je vous ferai part de mon expérience sur ce système avec les particularités chirurgicales et les particularités prothétiques. Et également, on verra aussi, grâce à ce système, la manière dont on peut traiter des cas, et ça, vous, en tant que praticien néophyte, mais débutant dans l'implantologie, vous pourrez construire d'une manière facile. C'est le système isopost de biotech qui va nous permettre de stabiliser des prothèses amovibles pour les rendre amovo inamovibles. Donc ça, on verra ça en détail. Alors, l'implantologie, là, je vous ai fait une petite diapositive que je ne vais pas vous commenter parce qu'elle fera l'objet d'un commentaire lors des premiers modules, simplement pour vous montrer qu'on va partir de l'ostéo-intégration, c'est-à-dire les années 85 où le concept a été mis au point par Brandmark et Albrechtson qui définissent ce qu'est l'ostéo-intégration. Et on va cheminer, on va se promener un petit peu dans le monde des implants dentaires en s'arrêtant sur les implants qui étaient mis au contact de l'os sans trop comprendre les notions de distance biologique. Et on disait qu'effectivement, il y avait des pertes osseuses autour des implants. Et maintenant, bien sûr, grâce au système du un temps chirurgical, c'est-à-dire du tissu level, comme on l'appelait aujourd'hui, et normalement, et avec le système donc de Stroman, que j'ai eu le loisir dans les années 90 d'utiliser, nous a permis de pouvoir passer dans un autre monde, c'est-à-dire le monde des tissus mous périimplantaires. Ensuite, on parlera des évolutions que j'ai personnellement faites sur ces systèmes pour arriver aux années 2000, où là, on va parler des tendances. Donc, je vous décrirai dans cette formation un petit peu toutes les tendances. Et on arrive en 2021 au choix d'un système implantaire qui va nous apporter sur le plan clinique, sur le plan prothétique, tous les éléments qu'on est en droit d'attendre pour satisfaire nos patients. Le système biotech qu'on va utiliser, donc il a toutes ses caractéristiques, nous les verrons en détail également, toute la forme, le corps, comment est ce corps, est-ce que c'est un corps cylindrique, un corps cylindroconique, quels sont les paramètres inhérents à la connectique, quel est le matériau utilisé, qu'est-ce qui va faire que le filet sera un filet excessivement mordant qui va permettre une stabilisation primaire immédiate, et on verra les incidences cliniques que le praticien pourra utiliser par rapport à cette stabilisation primaire. La notion d'état de surface, comme je vous l'ai dit, est très importante à prendre en considération aujourd'hui. Moi, on a démarré l'implantologie avec des implants qui étaient dits usinés « machine surface », c'est-à-dire que l'implant sortait brut de machine avec un degré de rugosité, ce qu'on appelle le RA, qui était à peu près de 0,25. Et ensuite, on a monté ce RA par des techniques propres aux techniques soit de sablage, soit mordansage, etc., acide ou parfois combiné pour optimiser l'ostéo-intégration. Donc ça, on verra également en détail comment sont fabriqués les implants et comment on peut avoir des états de surface performants. Les connectiques implantaires, là, on rentre dans un domaine qui, pour moi, est fondamental. Un système implantaire ne peut pas être performant si on n'a pas une bonne adaptation, si les vis cassent, si la prothèse se dévisse. Et c'est l'enjeu, j'ai connu tout ça, parce que la performance que l'on a aujourd'hui sur les produits, et notamment avec la connectique conique,
notamment la connectique cône-morse, nous permet d'avoir une adaptabilité et une herméticité optimale. Et ça, c'est un point fondamental. On verra ça également comparé à des systèmes d'hexagones internes qui sont complètement différents en termes d'amorce et de contact entre la partie prothétique et la partie implantaire. Ici, vous avez un système sur la diapositive du haut. Vous avez ici un concept qui est dit en un temps chirurgical, avec une distanciation de la jonction prothétique par rapport à l'os, qui permet de respecter la notion de distance biologique que vous voyez ici, qui est partie de l'étude de Gargiolo en 62 et qui a évolué vers la connaissance au niveau des implants. Donc, on va trouver une similitude entre l'implant et la dent. Simplement, il va manquer des éléments fondamentaux, c'est le cément et le ligament parodontal. Et vous voyez ici, dans des systèmes qui sont dits en platform switching, qu'on a des liaisons et surtout, ce que l'on veut obtenir, et c'est notre objectif dans l'ostéointégration, c'est obtenir la capacité de conserver cet os crestal. C'est un véritable enjeu parce que les maladies périimplantaires, notamment les périimplantites, démarrent dans cet environnement et peuvent mettre en péril l'implant et on verra comment. Donc, ce que l'on veut essayer de faire, c'est combiner à la fois la préservation osseuse, mais faire en sorte aussi que vous ayez une intégration des tissus mous dans cet environnement. On est en relation avec différents éléments qui vont se mettre ensemble, ils vont créer une famille, une harmonie, et l'attaque qui pourra être menée sur un seul des éléments, que ce soit l'os, que ce soit la prothèse, que ce soit les tissus mous, donc la muqueuse, va risquer de mettre en cause cette entité globale que l'on va voir plus loin. Le module 2 va parler de l'environnement de l'implant. L'environnement de l'implant, il faut d'abord connaître le fondamental, c'est l'os. Alors bien sûr, je ne vous ferai pas une présentation totale sur l'os, tous les détails, les interférences des cellules, etc. Mais il y a un minimum à savoir et c'est ce qu'on va essayer de faire en sachant que chacun, pour sa connaissance personnelle, pourra ensuite aller dans la littérature chercher des éléments de satisfaction, pouvoir lire des choses là-dessus et approfondir ses connaissances théoriques. Malheureusement, le délai qui nous a imparti nous fait quand même rationaliser tout ça, c'est-à-dire faire un condensé des connaissances, mais j'essaierai de vous livrer les connaissances qui sont importantes à connaître, et notamment sur l'os, la qualité, la densité, l'évaluation du volume osseux, tout ce qui va faire qu'on pourra étudier la mise en place de l'implant et le faire dans les meilleures conditions possibles. Le second point, qui pour moi est un point fondamental, je suis au départ parodontiste, et quand j'ai démarré l'implantologie, notamment avec les systèmes Brandmark, on avait les énormes déceptions d'avoir parfois des sulcus excessivement profonds parce qu'on mettait l'implant, on mettait des muqueuses, on ne savait pas trop comment. Il y avait un problème, ça se dévissait, ça s'enflammait. Donc, on avait des problèmes qui se créaient, notamment des problèmes de mucosite qui pouvaient continuer, progresser vers la périimplantite. Donc, pour moi, ce contrôle de la muqueuse, cette connaissance de la muqueuse périimplantaire est un des points fondamentaux de la survie à long terme des implants. Et j'essaierai de vous faire part de mon expérience sur les tissus mous périimplantaires, comment on peut les modifier, comment on peut les travailler, notamment avec des techniques laser dont on pourra parler brièvement parce que ça ne sera pas l'objet de notre formation, mais simplement vous faire toucher du doigt un petit peu l'évolution de cette profession. Ensuite, on verra les aspects biologiques. On va parler de l'ostéointégration versus fibro-intégration, qui sont deux phénomènes totalement opposés, et un, l'ostéointégration peut dégénérer vers la fibro-intégration sous certaines contraintes, contraintes mécaniques, microbiennes, etc. Donc, ces aspects biologiques, on va les détailler, on verra comment aussi on peut amener sur le plan biologique dans la connaissance, notamment de la vitamine D, de tous les facteurs, le cholestérol, quels sont ces paramètres qui vont faire en sorte que la biologie du patient va être modifiée et qui pourront malheureusement, avoir une incidence négative sur le résultat à long terme des implants. Pour faire de l'implantologie, il faudra bien sûr connaître un peu l'anatomie. Alors, on ne fera pas un véritable cours d'anatomie, mais je vais essayer de vous sortir les notions fondamentales d'anatomie. Anatomie à la fois maxillaire et anatomie mandibulaire, avec chaque maxillaire a sa spécificité. Maxillaire supérieur, on a les sinus,
on a le trou palatin postérieur, trou palatin antérieur, où est-ce qu'on peut aller et où est-ce qu'on ne peut pas aller. À la mandibule, on a la présence, bien sûr, du canal dentaire dans les zones postérieures. Au niveau antérieur, on a aussi des résorptions qui peuvent se faire en fonction du délai de dédentement, combien de temps le patient est resté édenté, et là, à ce moment-là, on peut avoir une réduction de la masse mandibulaire et risquer de rentrer, de pénétrer à l'intérieur du plancher buccal avec des conséquences qui peuvent être dramatiques. Donc, on va essayer de voir cette anatomie sous la forme vraiment pratique et pratique clinique. Mieux connaître la biologie, effectivement, pour mieux comprendre l'implantologie. L'environnement de l'implant, c'est l'os. On verra toutes ses spécificités, tout comment il est fait, comment se construit le spongieux, le cortical, les interférences de chacun, la notion de densité, la notion de qualité. Par rapport à l'os et l'implant, il va falloir savoir comment on va positionner l'implant dans l'os. Est-ce qu'on va mettre l'implant en juxtaosseux? C'est la tendance actuelle de dire on a des implants bone level et cette situation ne me convient pas et je vous expliquerai pourquoi. On a des implants qui sont mis en position supracrestale, supraosseux. Ça, c'est le propre même des implants dits tissue level one step. Et on a des positionnements infraosseux. C'est le positionnement qu'aujourd'hui on choisit, surtout dans les zones antérieures, pour pallier à l'esthétique, c'est-à-dire densifier en même temps les tissus et faire que le résultat final esthétique soit le plus favorable possible. Et en sachant qu'en fonction du design implantaire que l'on va utiliser, on devra l'adapter à ce placement. On ne peut pas utiliser un implant tissue level en position platform switching. Bien qu'on puisse le faire dans certaines conditions, mais restons pragmatiques, un implant tissue level, c'est le col au-dessus de la crête osseuse. Un implant infra-osseux, c'est un implant qui va être obligatoirement platform switching. Donc ça, vous verrez très détaillé justement les différentes spécificités de chaque type d'implant. Le positionnement infra-osseux, c'est ça. Quand vous vissez l'implant, vous allez l'enfoncer et vous allez faire en sorte de visualiser parfaitement la masse osseuse qui est présente autour. Vous voyez ici, au niveau vestibulaire, on doit avoir de l'os et si on n'en a pas, on va reconstruire cet os et je vous montrerai de quelle manière on peut le faire. On va choisir le système implantaire aussi en fonction de la situation et le type d'édentement. Lorsqu'on se retrouve ici, vous avez une crête édentée mandibulaire avec une perte osseuse très importante et on se retrouve dans une situation où il va falloir aménager cette crête, il va falloir éventuellement la greffer, lui redonner du volume pour pouvoir adapter le système implantaire que vous aurez choisi. Si vous voulez remplacer une incisive latérale du bas, par exemple, ou une centrale du bas, unitaire, il faudra un choix d'implant qui soit d'un diamètre réduit. Vous ne pourrez pas mettre le même implant que vous mettriez sur une centrale supérieure, voire une prémolaire ou une canine. Donc, il faut, dans chaque système implantaire que vous allez utiliser, bien comprendre qu'il y a des implants qui sont spécifiques par rapport à la région où vous allez implanter. Et ça, on le verra également parfaitement détaillé. Maintenant, l'environnement de l'implant. La muqueuse périimplantaire, je vous en ai abordé deux, trois mots, j'ai donné deux, trois mots dessus tout à l'heure. Je pense que c'est un des points fondamentaux, justement, de la survie des implants à long terme et de la survie, surtout, de la qualité des prothèses que l'on va faire, de l'esthétique, le maintien de l'intégrité du parodonte, entre guillemets, périimplantaire, du faux parodonte périimplantaire, mais qui doit se comporter comme un parodonte ici. Vous avez dans ce cas-là, et j'ai mis cette diapositive volontairement, où on a recréé de la muqueuse kératinisée. On verra l'intérêt de cette muqueuse kératinisée autour des cols implantaires si on compare aux muqueuses de type alvéolaire, comme vous voyez ici. Nous n'avons pas la même qualité de muqueuse, nous n'avons pas les mêmes incidences cliniques en fonction de la qualité muqueuse. Quelles sont nos interfaces que l'on va avoir lorsqu'on va faire de l'implantologie? Lorsqu'on va faire de l'implantologie, on a trois interfaces. C'est l'os, la muqueuse et la prothèse. L'os, on verra comment on peut l'optimiser, le garder et faire en sorte que notre intégration soit maintenue à long terme.
les tissus mous, comment on va les préparer, comment on peut créer ces profils d'émergence titulaire, comment on peut épaissir les tissus pour leur donner toute leur rationalité et les permettre de les condenser, de les rendre beaucoup plus fermes et faire en sorte que la prothèse qui va venir dans cet ajustage, dans cette unité, puisque là on peut parler d'une unité, d'une entité implanto-prothétique, faire en sorte que l'adaptabilité ici dans la ligne marginale, ce qu'on appelle la ligne d'amour, soit la plus précise possible. Si on a un problème au niveau muqueux, on a des pertes osseuses, on a une déhiscence gingivale, l'esthétique est compromise et bien sûr, le résultat final, c'est l'insatisfaction de notre patient et c'est ce qu'on veut éviter à tout prix, insatisfaction qui peut être dans un délai très court ou dans un délai très long. Et si c'est très court, c'est encore plus catastrophique. Donc, il y a des conditions pour obtenir le succès. Ces conditions, on les verra. Comment on va analyser le positionnement des implants en s'appuyant sur les techniques 3D pour positionner le mieux possible les implants, renforcer l'os autour des implants, renforcer cette muqueuse et faire en sorte que les prothèses provisoires vont nous guider ensuite sur la construction de la prothèse définitive. On parlera de la notion de sulcus périimplantaire, c'est-à-dire être capable de créer cet environnement ici qui va permettre l'introduction de la prothèse dans un terrain qui soit hyper favorable et on parlera de notion de profil d'émergence tissulaire. C'est un point capital également. L'environnement de l'implant, on verra ses aspects biologiques, médicaux, la vascularisation, la notion de pression-tension sur les différents tissus et on sait que si on a des tensions et des pressions, et ça c'est les travaux de Mamoto qu'on va voir tout à l'heure sur les nouveaux paradigmes en implantologie, et Mamoto a travaillé justement sur la formation osseuse, comment est-ce qu'on va optimiser, comment on peut contrôler cette formation osseuse et sur l'angiogénèse, c'est-à-dire comment on peut optimiser la vascularisation du tissu osseux. On sait qu'une pression sur un tissu va réduire l'apport sanguin et on sait que si on n'a pas de pression sur les tissus, on aura une vascularisation qui va s'optimiser. Donc, il va falloir peut-être aussi par le biais de notre technique chirurgicale, notamment les sutures matelassées, l'apical matrice, permettre d'éviter ces compressions et permettre d'obtenir des résultats. Le rationnel implantaire, on verra la notion de diagnostic et de plan de traitement. Donc ça, c'est un chapitre très important puisqu'il va nous permettre d'étudier l'implantologie et où on va mettre nos implants. On verra les examens cliniques et radiologiques, notamment la PANO, la rétro, la 3D avec la pertinence de chaque examen. Qu'est-ce qu'on va utiliser pour pouvoir faire de l'implantologie sereine? Comment on va planifier nos implants? Comment on va communiquer avec le patient pour une meilleure compréhension? Comment présenter le diagnostic à nos patients et surtout ce qui en découle, c'est-à-dire le plan de traitement, et pouvoir lui répondre d'une manière rationnelle à toutes ces questions. Ensuite, dans le quatrième module, on va approcher la chirurgie implantaire. Et là, c'est le cœur du sujet pour tous ceux qui veulent commencer à démarrer dans le champ de l'implantologie, c'est de dire, bon, comment je vais faire? J'ai envie de faire de la chirurgie, etc. Mais il y aura des prérequis de base à respecter. Ces prérequis sont l'organisation du cabinet, l'organisation du plateau technique. On verra le rôle de l'assistante dentaire. Je sais que beaucoup de praticiens n'ont pas d'assistante. Donc, au début, les praticiens qui veulent se mettre à l'implantologie pourront le faire en binôme avec un autre confrère qui démarre l'implantologie. Vous ne pouvez pas faire seul l'implantologie. Moi, personnellement, je travaille, j'ai 3 assistantes quand j'opère. Chacune a son poste, une au fauteuil, une qui sert et une autre qui apporte le matériel en fonction quand on fait des greffes osseuses. Donc, il faut savoir se structurer pour pouvoir faire de l'implantologie. D'une manière simple, mais d'une manière efficace aussi. On va essayer d'analyser comment on peut préparer le patient à l'intervention. Quelles sont les médications? Et toutes ces médications vont découler de l'anamnèse médicale que l'on va faire dans la première analyse diagnostique du patient qui vont nous permettre de dire, ce patient, il y a des contre-indications, il n'y a pas de contre-indications. Quelles sont les précautions que l'on va prendre avant de faire l'intervention? Vous voyez ici, dans notre cabinet, l'organisation d'une salle technique où on a tout le matériel, c'est rationnel, c'est simple, c'est clean. Et nos assistantes qui nous suivent tout le temps sont là pour veiller à tout. C'est-à-dire qu'une fois que tout est préparé, j'ai plus qu'à m'asseoir, tout est prêt, je sais qu'il ne va rien manquer. Et ça, c'est grâce à un binôme que j'ai, qui sont mes 2 assistantes qui mènent de main de maître toute l'activité implantaire, combinée bien sûr au reste des assistantes et des personnes qui sont en stérilisation. C'est un travail d'équipe et il faut savoir le mener comme un travail d'équipe.
Deuxième volet de l'approche chirurgicale, je vous ai dit que l'approche chirurgicale, c'est un volet assez important. Le deuxième volet, ça sera de passer de la théorie à la pratique. On continuera de passer de la théorie à la pratique dans la présentation de cas cliniques, voire des vidéos, bien sûr, puisque l'objectif, on le verra dans des vidéos choses, c'est d'essayer de montrer le maximum pour vous. Bien, hélas, on ne peut pas faire de la chirurgie en direct, que j'adore faire, mais déjà à l'aide de vidéos, on pourra travailler, commenter ces vidéos et vous dire un petit peu tous les éléments rationnels, que ce soit des cas simples ou des cas complexes. Vous voyez ici, c'est un cas de rehaussement mandibulaire où j'ai fait des greffes, appuyé sur des vis d'osteosynthèse. Et là, maintenant, on va pouvoir enlever ces vis et implanter d'une manière tout à fait cohérente le patient. L'implantation, elle va être fonction du système choisi. Ici, je vous ai mis en exergue des implants dits « platform switching » et lorsqu'on va mettre en place des implants dits « platform switching », on va travailler l'enfoncement de ces implants. Ensemble, nous allons rationaliser des techniques de pose et de dire en fonction du volume osseux utilisable comment on va le mettre en place, comment va être le col et comment maintenir cette intégrité au sol, autour du col, pardon, au niveau de l'os, par le biais justement de vis spécifiques. Et dans le système biotech que vous verrez utilisé, on a des vis de différentes hauteurs qui nous permettent parfaitement de canaliser à la fois l'os et de canaliser les tissus mous. Les étapes chirurgicales détaillées, on le verra de l'édentement unitaire au traitement pural. On verra comment on construit un cas. Depuis les photos, on verra comment on peut documenter ces cas. Et je pense que tout praticien qui désire démarrer dans l'implantologie aura justement à travailler l'aspect photographique qui peut être très simple aujourd'hui. Avec nos simples portables, on fait des photos qui peuvent être magnifiques. Vous voyez ici, ça s'est fait uniquement avec un portable de bonne qualité. Donc, vous allez pouvoir enregistrer des éléments, regarder vos interventions après, vous dire ben là, j'ai bien fait, là, j'ai moins bien fait, là, il faudra que je corrige. Et c'est un outil de perfectionnement pour vous. Et vous aurez également joint toute l'analyse radiologique. On vous montrera comment on documente un cas également pour bien comprendre tout l'ensemble de ce qu'il y a à faire. L'approche de la prothèse, qui est le cinquième module, c'est d'abord la constitution des composants prothétiques. Un système implantaire qui se dit performant doit avoir une variété de composants le plus favorable possible et ces composants vont nous permettre d'aborder toutes les situations cliniques. Et c'est ça qui est important dans le système que vous allez choisir. On verra l'importance du deuxième temps chirurgical. Lorsqu'on met en place des implants, on laisse un temps de repos, on verra l'évaluation également du timing, du délai pour laisser les implants en fonction de la qualité osseuse, en fonction du fait qu'il y ait des greffes ou pas de greffes. Et on abordera, pour pouvoir mettre en fonction ces implants, le deuxième temps chirurgical, qui est le premier temps prothétique. Il a des impératifs. Ces impératifs sont liés au fait que l'on va contrôler l'osteointégration, également travailler sur l'environnement des tissus mous. Je montrerai des techniques de renforcement des tissus mous au moment du deuxième temps chirurgical. Les empreintes en prothèse implantaire, empreintes pick-up, empreintes pop-up, et également, bien sûr, maintenant, l'intégration de tout le numérique dedans. C'est-à-dire que si des confrères ont l'habitude d'utiliser le numérique pour réaliser leur prothèse, ils pourront, par rapport justement à des scan body qui seront mis sur les implants, pouvoir enregistrer d'une manière numérique et pouvoir faire leur prothèse en numérique totalement. Le choix de la stratégie prothétique, ça c'est fondamental à comprendre. Il y a de la prothèse qui est vissée et vous avez de la prothèse scellée. Quelles sont les indications de la prothèse vissée? Quelles sont les indications de la prothèse scellée? Et vice-versa, quelles vont être toutes les contre-indications? Il y a des cas où vous pourrez faire de la prothèse vissée et vous ne pourrez pas faire de scellée. Il y a des cas où vous pourrez faire de la scellée et pas faire de prothèse vissée. Donc, il faut comprendre tout ça par un rationnel très précis et sur lequel vous pourrez vous appuyer. La conception des prothèses provisoires, conception des armatures, comment est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va choisir du métal? Est-ce qu'on va choisir de la zircone qui devient de plus en plus développée actuellement? La pose des prothèses, comment on va faire? Est-ce qu'on va les sceller définitivement? Est-ce qu'on va les mettre d'abord en provisoire, puis en définitive? Toutes ces étapes implantaires, on les verra détaillées dans ce cinquième module.
Voici ici des cas, on parlera justement des concepts notamment, et c'est un concept très fort chez Biotech, qui nous permet de réaliser des prothèses qui sont clipsées. Vous voyez, j'ai mis ça volontairement. On va faire des prothèses vissées, des prothèses scellées, et là, on aura un troisième type de prothèse, c'est pour ça que je vous l'ai mis, sur des piliers qui sont spécifiques à ces implants, qu'on appelle les piliers isopostes. On pourra clipser la prothèse, et ici, c'est la prothèse provisoire, et la prothèse définitive va être faite également de la même façon pour redonner une harmonie. Donc, vous voyez le patient sous prothèse provisoire ici, et les prothèses sont clipsées. On peut les enlever uniquement un petit coup d'arrache-couronne, et c'est fait. Il n'y a pas de ciment, pas de risque de projeter du ciment à l'intérieur du sulcus implantaire, et c'est une technique excessivement intéressante. On verra l'approche de la prothèse unitaire, puisque c'est ce qui va concerner votre démarrage dans l'implantologie. Vous n'allez pas commencer par des cas complexes, vous allez commencer par des cas unitaires. Donc, on verra la prothèse unitaire, comment elle se conçoit, qu'elle soit scellée, qu'elle soit vissée, quelles vont être les pièces prothétiques qu'on va utiliser, est-ce qu'on va être dans du tissu level platform switching, les composants prothétiques vont être adaptés à chaque type d'implant que vous allez utiliser. Voici quelques résultats cliniques à long terme. Là, on est sur de 5-7 ans à peu près de recul. Vous voyez ici les implants dits platform switching, où on a une conservation de l'os absolument parfaite, une intégrité et intégrité à la fois parodontale que vous ne voyez pas là-dessus, mais qui va vous permettre de maintenir à long terme. Et là, ici, c'est la réalisation. Je vous ai mis ce cas parce qu'il vous montre que dans le système implantaire que vous allez choisir, il faudra qu'il existe des implants de diamètre différents. La notion de diamètre est également à prendre en compte lorsque vous allez faire des implants. Est-ce qu'on va mettre un implant de diamètre étroit, de diamètre moyen, de large diamètre, et quelles vont être les conditions cliniques, analytiques avec le 3D qui vont nous permettre de dire « je vais utiliser tel ou tel type d'implant en fonction de l'espace qui est dévoué à ça ». Ici, vous avez un contrôle à 3 ans d'implant dit platform switching où on constate qu'on a une conservation osseuse qui est excessivement intéressante. Là, il s'agit d'implant bioxélane de drive. Perte accidentelle de l'incisive. Ici, une incisive centrale. C'est un cas assez dramatique pour une patiente qui arrive au cabinet en ayant expulsé une centrale. Elle a une bouche absolument magnifique. Est-ce que nos compétences vont nous permettre de réhabiliter tout ça? Et l'analyse qu'on va faire va être d'abord une analyse clinique fondamentale, l'établissement d'un diagnostic, une analyse radiologique précise, notamment par l'utilisation du CBCT, le cone beam, et de dire maintenant comment je peux faire ça. Et dans cette option-là thérapeutique, nous avons opté, après l'analyse du cone beam qui vous montre qu'on n'a absolument plus d'os, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas implanter. Il va falloir utiliser des techniques d'apport osseux, de stabilisation osseuse, soit des vis, des greffons qui peuvent être pris au niveau rétromolaire, comme il est le cas ici, c'est très fréquent. On peut prélever une masse osseuse ici et aller la greffer dans la zone antérieure. Donc ça, c'est un cas que je vous montrerai lors des présentations modules. Et simplement, qu'est-ce qu'on veut faire? C'est arriver à ce résultat, c'est-à-dire la reconstruction ad integrum de ce qui a été perdu par le patient. Dire à un patient, vous avez eu un grave problème, mais aujourd'hui, on va pouvoir répondre positivement à ce problème. Et j'ai en tête un patient qui est venu, après avoir erré pendant une journée, il a pris une barre métallique sur le visage, sur la lèvre, ça lui a cassé toutes les dents antérieures, les dents pendaient partout, il a fait 5 cabinets, pendant toute la journée, il a couru pour qu'on essaye de le soigner. Et effectivement, à 17h le soir, il est arrivé dans mon cabinet et en une demi-heure, on a pu lui régler le problème. C'est-à-dire que j'ai fait les extractions, préparé les prothèses provisoires et ensuite, on est passé par une reconstruction osseuse et une finalisation de son cas. Et pareil, je montrerai ce cas dans le cadre des modules où on a reconstruit, mais ad integrum, et la réflexion du patient a été « mais je suis encore mieux qu'avant ». Donc, vous voyez que l'implantologie nous laisse espérer de très, très bons moments. On verra également des vidéos show, c'est-à-dire que on va travailler beaucoup sur des vidéos qui vont nous permettre de voir un petit peu l'ensemble, aussi bien prothétique qu'au niveau chirurgical. Donc, on va faire du travail ensemble chirurgie, ça ne sera pas du direct, mais vous aurez une vision parfaite et nous ferons des commentaires de toutes ces chirurgies pour vous amener après à comprendre, poser des questions et voir comment on peut rationaliser tout ça.
On passe le plan prothétique également des vidéos pour essayer de vous montrer comment on va prendre les empreintes ou l'étude prothétique. Et arriver à la synthèse des modules, c'est-à-dire c'est le sixième module qui lui va reprendre un peu tout le travail que l'on aura fait durant ces modules, qui seront malheureusement assez courts dans cette formation, mais qui vont vous permettre de survoler l'implantologie et de comprendre et de voir surtout les points clés qui vont vous intéresser. C'est-à-dire, on va parler malheureusement de la gestion des échecs et de la prothèse, chirurgie prothèse, parce qu'il faut en parler un petit peu. Je ne peux pas vous dire que l'implantologie, c'est tout formidable et c'est du 100%, absolument pas. L'implantologie, si on fait toutes les conditions, si on met tout notre savoir-faire et notre dextérité, on peut arriver à des cas magnifiques à du 100%, mais ce n'est pas toujours comme ça. Il peut y avoir des impondérables liés au patient, liés à l'occlusion, liés à la prothèse. Il faut savoir les gérer au moins d'une manière simple, que ce soit des cas avec des échecs à court terme, moyen terme ou long terme. On parlera un peu de maintenance implantaire et on parlera également d'un nouvel appareil qui est développé par la société Biotech aussi, qui est l'ATP38. C'est un laser soft, en somme, c'est une biomodulation au service du patient et ça va permettre, si vous voulez, de pouvoir traiter le patient après les chirurgies pour diminuer considérablement le process inflammatoire. Et moi, je l'utilise depuis quelque temps et je vois vraiment une différence notoire par rapport au comportement du patient, par rapport au contrôle de la douleur et par rapport à l'impact que vous avez vis-à-vis de ces patients. Je vous remercie pour votre attention. J'espère que je n'ai pas été trop long et que j'ai pu vous donner un aperçu et une motivation, bien sûr, pour cette formation en ligne, parce que ceux qui ne font pas d'implantologie vont trouver des réponses. Peut-être pas la réponse à 100% sur ce qu'ils attendent, mais ils vont trouver des réponses à leur attente quand même, pouvoir démarrer dans l'implantologie. Et sachez que les praticiens qui travailleront avec nous, nous allons les assister par la suite. C'est-à-dire que quelque part, ils pourront se référencer vers nous. Vous aurez des problèmes, des questions, etc. Nous serons toujours à votre disposition pour vous apporter des réponses, pour vous aider à progresser dans ce domaine-là. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, docteur, pour cette belle présentation. Il paraît que tout était clair, il n'y a pas de questions. Tout était clair, oui. Merci beaucoup. Voilà, bah écoutez, c'est parfait. J'espère que vous avez pu capter un peu le scénario, en somme, de cette formation et que ça vous apporte des renseignements suffisamment intéressants pour vous motiver à participer à cette réunion. Merci. Merci à vous. Merci beaucoup.